Notre mari touche à sa fin, il est temps de dire au revoir à l'école, et dans un instant, nous devons conclure qu'il y aurait du rab avec la jeune femme. En fait, que dit-il ? On n'aura pas Nicole ce soir. Les deux chefs partent donc se coucher, des images de Nicole, plein la tête. À la septième position, qui aurait pu imaginer un jour que Denis le Gauche d'un dragalet allait sauver ses dards la force de la nature. L'épreuve de la sixième étape de la tête en tête en Tanzanie consiste à récupérer des clés attachées à une bouée en s'y rendant en pirogue. Denis et ses dards s'élancent, un vrai défi physique, surtout pour le Gauchien pas vraiment sportif. J'ai bien compris que c'est tellement bon. Arrivé à la bouée, c'est César qui plonge pour récupérer le trousseau de clés. Et déjà, Denis s'inquiète pour son ami. J'espère qu'il a pris assez de respiration. Et la prière n'est moins bien, car quelques secondes plus tard, on ne sait pas vraiment pourquoi, notre colosse a du mal à s'accrocher à la bouée qui se trouve juste à côté de lui. Et se met alors à boire un peu la tasse. Je ne vois pas quand même. Non, non, il est juste en train de faire un jokery avec la bouée là. Regardez-moi. Que son courage, Denis part à la rescousse de César. Ça se rend sur sa petite allure. Enfin, pas facile. J'avance, oui, je suis là. Un sauvetage laborieux, mais César sait désormais qu'il peut compter sur son ami Denis. J'étais content de rendre service à César. C'est son sauveur, parce qu'il m'a appelé Denis. Denis, viens, viens. En sixième position, on retrouve Ludovic et Samuel, les frères belges de Turgoté, des saisons 7 et 8 de Pékin Express. Lors de cette dernière saison, qu'ils ont remporté haut la main, les sympathiques frangins se sont fait remarquer dès la toute première étape qui reliait Séoul à Jeonju en Corée du Sud. Premier, au temple de Boubitia, nul besoin de se chercher un logement pour la nuit. Ils sont conviés par le moine Liwan à une passionnante immersion dans la vie des moines bouddhistes. Un confort qui se révèle être au final un cadeau en oiseau. Le droit de nous inviter à les visiter dans un temple tout au-dessus de la montagne. Écoute, j'ai fait de petites chapelles, creusées dans la rocher, et ils ont appris à pénétrer dans des moines en fait. En plus, ils allaient mourir à respirer par un biais poussé dans les portes de triche, c'est rare. C'est bon, mais. Oui. C'est un peu à fouiller. Monsieur, comment t'es venu? Il a fait un raton? Après qu'il allait faire un rituel dans le dos? Non, parce qu'il allait pousser dans le chemin. Qu'est-ce qu'on y est? Et on se dit qu'après une sacrée bastonnade, un bon repas apportera tout le réconfort souhaité. Tout évidemment. Il y a l'espèce, on aurait fait autrement. On aurait pris un petit paquet de travailleurs dans cette ambiance. Et arrivé à table, sur le compte, il fallait du piment. C'est ça. Voilà.